Bonjour, je suis Prokofiev, mais tout le monde m'appelle Proko. Jean-Paul! Qu'est-ce qui se passe là? Merci. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a deux qui jouent faux. Ah, j'ai rien remarqué, moi. Ah, d'ici, je ne s'entends pas, mais de la salle. Quoi que de ce côté-là, il y en a deux, là, c'est pas toujours. Non, c'est ces deux-là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers enfants, bonsoir. Vous allez bientôt assister à la représentation de Pierre et le loup de Serge Prokofiev. Auparavant, hélas, nous sommes obligés, vu nos accointances avec le ministère de culturel, et dans le cadre de ces journées, mission prioritaire pédagogie, soutenue, je vous le rappelle, par la CUCUF, la RTB, les Spéculos Pemers, la région Wallonne, Télémoustique, la Société Générale, les autocars Culifort et Fils, le restaurant Le Pain et le Vin, les pita poulets de la rue Souverain-Pont, la brasserie Svalens, oui, le Non, pas la brasserie Svalens. Quoi, ils n'ont pas payé? Rien du tout. Non, le... C'est... Enfin, l'habitude du pays, ouais, de jour, on n'a pas payé cette fois-ci. Nous sommes tenus, donc, tous soutenus par tous ceux dont je viens de citer les noms, de vous informer sur la vie et sur l'œuvre de Serge Proko. Hein, Proko? Tu dis Proko, toi? Mais oui, mais c'est pour les gosses, hein. Prokofiev, c'est beaucoup trop difficile à retenir, hein. C'est rébarbatif, quoi. Il faut être plus fun, plus ludique, hein. Tu comprends? Ouais, Proko, comme on dirait par exemple le Botta. Mais oui, voilà. Ouais. C'est Proko au Botta, tu comprends? Car vous le savez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers enfants, aujourd'hui la culture déborde de partout. Il est conseillé à chacun d'en consommer le plus possible. C'est une attitude civique qui favorise l'emploi et qui fait plaisir au ministère de culturel. C'est pourquoi il est impératif de croire que si l'on n'est pas informé à fond sur un petit peu tout, on a goût à presque rien. Ah, moi j'ai besoin d'assouvir ma soif de culture. Ah, moi aussi j'ai envie de m'informer. Apprendre, j'ai soif d'apprendre. Ah oui, à boire, par pitié, de la culture. D'ailleurs, le loup c'est pas méchant. On peut apprendre que le loup n'est pas méchant. Mais non, le loup n'est pas méchant. C'est l'homme qui est méchant. Le loup n'attaque pas l'homme. C'est l'homme qui attaque le loup. Qui a peur du méchant homme? C'est pas nous. C'est pas nous du tout, hein. Grâce à notre petit exposé préliminaire, gageons que votre connaissance de l'œuvre de Proko en devienne plus profonde et que le plaisir que vous aurez à entendre Pierre et le loup plus inflammatoire. Passez une bonne petite soirée. Et je suis un grand compositeur russe. Immense. Je suis un immense compositeur russe. Serge Prokofiev dit Proko. Proko. Est né en 1891. 1891. En Russie. Russie. On me dit quoi, c'est une dictée de Bernard Pivot ici ou quoi? Non, mais enfin, il faut qu'ils aient le temps de changer les images. Oh oui, dis-moi. Proko est né exactement 10 ans avant Walt Disney. Walt Disney. Ce qui nous fait, pour Disney, quelle date? 1901, voilà. Et 1901, c'est... l'année de la mort de Zénobe Graham. Zénobe Graham. Oh, tiens, ça c'est fou de... Ouais, dingue ça, ouais, hein? Intéressant, ouais. 1901, c'est aussi, à peu de choses près, une bonne quarantaine d'années avant la naissance de... Henri Dess. Henri Dess. Ça, c'est de plus en plus fou, et intéressant, hein? Ouais, culturel, hein? Ouais, très culturel, quoi. Ce qui veut dire que Proko aurait eu exactement le double de l'âge de Henri Dess aujourd'hui même, s'il avait vécu. Bon anniversaire, Proko. Et si on avait su, on aurait apporté un petit cadeau. Ouais.
Et maintenant, une image de Monsieur Patate. Monsieur Patate. Tiens, pourquoi Monsieur Patate? Mais je t'ai dit, c'est pour les enfants. Hein. Maintenant, une photographie de Pamela Anderson. Tiens. Oui, mais ça, c'est logique, hein. Les gosses viennent pas encore tout seuls au spectacle, hein, que je sache. Ouais, ouais, d'accord. Oh, oh, je me demande si elles n'ont pas sifflé tout de même. Piotr, tu es sûr qu'elles n'ont pas sifflé pendant qu'on était là-bas, parce que... Mais je t'ai déjà expliqué. Une poupette, quand elle se met à crier, ça ne s'arrête pas tout seul. Il faut quelqu'un pour l'arrêter. Oui, je sais, j'ai lu le mot d'emploi aussi, mais quand même, quand on est dans la cafette, peut-être qu'on les entend pas. Et... C'est la raison d'être de la poupette, tu comprends? Ça fait s'occuper les gens. Ils sont minouches, hein? Moi, je m'attache, tu sais, quand même. Mais enfin, les gens, ils nous les confient, donc c'est qu'ils y tiennent, hein? Bon, ils y tiennent. Tu sais, s'ils y tiennent tant que ça, je me demande pourquoi ils nous les confient pendant les vacances de Noël, hein? C'est quand même vrai, quoi. Oui. C'est incroyable. Ils se font emmerder toute l'année par des poupées de cas, hein? Mais pendant les vacances, gardiennage poupées de cas. Ben oui, mais heureusement, oui. Comme ça, on est gardien de poupées de cas. C'est bon, comme ça, on a du boulot. Hein? Oui, c'est pas oui, facile oui, d'avoir oui, du boulot non plus, hein? Juste, juste. Juste. Enfin, bon, écoute, elles sont calmes, là. Oui. Hein? Il n'y a vraiment aucune raison qu'on n'aille pas à la cafette. Tu veux dire... Bah écoute, on pourrait y tourner, moi je... Écoute, moi je ne te retiens pas, vas-y si tu veux. C'est pas comme ça que je vois le boulot, c'est tout. Sérieux? D'accord. Tout à l'heure. Mais je te préviens que s'il y en a une de tiennes qui sont, moi... Moi c'est juste qu'ici les miennes, hein. Moi je m'occupe de celle-ci et toi t'occupes de celle-là, hein. D'accord. J'ai compris, ça va. Il y a combien de temps que tu travailles dans le service? Deux jours. J'ai compris. Et avant ça, tu étais où ça? Avant, j'étais au Poisson Rouge. Ingrat. Très ingrat, le Poisson Rouge. Ouf. Non, ça, j'aime pas ça. Tu sais, je fais encore des cauchemars presque tous les soirs. Pas pour le poisson, mais leur petite ficelle qui a parfois là en dessous. Là, qui... Oh, c'est tu sais, hein? Terrible. Vous voyez, madame voit bien. Ah oui, on regarde vite comme ça, c'est. Oui. Oh, ouais. Oui, mais pense à ceux qui sont à l'étage chat. Bon. Chien. Proquet. Oui, perruche. Bon. Même les plantes vertes. Tu as remarqué enfin, sur le chemin aussi. Ouais. Parfois, oui. Mais ce qui m'étonne quand même, c'est que tu as commencé tout de suite au Poisson Rouge. Oui. D'habitude, il faut quand même grimper les échelons. Et... J'ai eu deux ministres, hein, quand même. Qui... Ah oui, tu étais bispo. Oui, mais ça, moi aussi, j'ai eu deux ministres. Ben hein. Oui, tout le monde a deux ministres. Hein. Qui n'a pas deux ministres? Mais j'ai eu aussi l'intervention de madame... Rousseau qui a été déterminante. Qui ça? Et c'est quoi le bouquin que tu es en train de lire là pour le moment? Ça a l'air très intéressant. C'est sur Prokofiev, je crois. Mais oui. Tout le monde parle de ce Proko, hein? Un livre sur Prokofiev. Tu peux m'en lire des extraits. Je suis sûr que tout le monde sera très content d'entendre des trucs un peu... Je te lis un petit passage? Oui, oui. Comme ça? Pour passer le temps, vu que bah, la oui. cafette, ça ne t'inspire pas grand-chose. Eh bien, je vais te lire un passage alors, hein? Au hasard? Oui. Les parents de Prokofiev étaient pauvres. Ils souffraient atrocement du froid, de la famine et de la couche d'ozone. D'ozone, hein? C'est pas d'ozone. Ah non, d'ozone, tiens. Ah mais oui, c'est russe, hein? Là-bas, c'est... Ben oui, évidemment. C'est traduit du russe. Ozone... Oui, c'est juste. Hein? Cortisone... Ouais. Oui, c'est juste. Oui, c'est comme ça. Hein. Amazon. Oui, oui, en sens inverse, ça marche aussi. Oui, oui, vas-y. Chocotoff, Chocotone. Oui, ça marche aussi. Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre, oh Dieu, c'est pas très sympa. On en a plein, hein. Catastrophe. Ouais. Il était très bon. Catastrophe, oui. Mais je continue, hein. Des kilos. Ils décidèrent la mort dans l'âme d'emmener leur petit Proko au plus profond de la forêt de Stalingrad. Intéressant. Ouais. Par bonheur, le petit Proko. Tiens. Ça, c'est une des tiennes. Celle-là, c'est la mienne. Oui. Coucou. C'est celle-là? Ouais. Attends, Minouche. Ouais, je vais là. Voilà. C'est encore un peu, hein, un peu fruste, hein. Oui, bon. Comme technologie. Non, pêche-moi le tout, c'est très attachant. Donc, où est-ce que j'en étais, dis, parce que ces histoires... Oui, par bonheur, le petit Proko avait pris soin d'emmener avec lui sa collection de Pogs. De Pogs? Quoi, c'est les petits trucs en carton pour les gosses, là? Il faut croire, quand même. Ces Pogs étaient offerts aux ouvriers russes à tout achat de deux tracteurs. Yeah.
culturel, hein? Non, mais c'est pour les enfants et tout, il faut... Édité en collaboration avec les images Paninich. Ils étaient d'une qualité médiocre, réalisés en tourbe et peints à la bouche par le général Dourakine. Très intéressant, Mehdi. Ouais. C'est traduit du russe et les russes, question bombard. Ça recommence. Moi, sur le piano, il y a quelque chose que je déteste, sont les touches noires. Le petit Proco, quoique très doué pour la musique, avait une étrange aversion pour les touches noires du clavier. Ainsi en témoigne ce document exceptionnel que nous a fait parvenir le ministère russe de Pierre et le Loup. Celle-là. Celle-là, c'est terrible. Elle me fait des rototos toutes les 10 minutes. Ouf, oui, oui. Devenir oui. Fou. C'était un peu comme ma petite noire ici. Celle-là regarde. Aussi? Oui. Faut lui laver les mains parce qu'elle a joué avec de la colle. Mm. Faut la changer toutes les 5 minutes. Elle fait un peu voir. Oui. Oh non, je crois qu'elle est déréglée. Tu sais, hein, je vais te dire, les Russes n'auraient jamais dû se lancer sur le marché du Tamagorki. Hein. Oui, aussi. Ils n'ont pas la technologie pour, non, hein, ben c'est un peu comme leur centrale nucléaire, si tu veux, c'est un truc qui... Je vois ce que tu veux pas dire. Dans leur... Tu comprends? Oui, mais en attendant, on a du boulot, quoi. Oui, mais celle-là, à mon avis, elle a un défaut de fabrication. Oui. Et tu, alors, peux... tu peux la désactiver. La désactiver? Non, mais tu plaisantes, la désactiver, carrément. Et alors les gens, quand ils viennent, qu'est-ce que tu vas leur dire? Eh bien, tu leur dis que la pile était plate. Que la pile était plate? Mais tu ne te rends pas compte, c'est pas comme ça que je vois le boulot, excuse-moi, hein, d'accord, pour la cafette, de temps en temps, mais... Et les gens, ils mettent leur confiance dans les poupettes, car tu sais, il y en a même qui n'ont que ça dans la vie, hein, des poupettes, car moi, quand je pense à ça, chaque fois, ça me fait quelque chose, quand même. Fedor, ça n'est jamais qu'une petite machine, hein. Mais Piotr, tu oses dire machine alors qu'il y a des campagnes de sensibilisation terribles pour qu'ils ne les abandonnent pas sur l'autoroute. Moi, tu sais, je vais te dire, hein, plus je connais les hommes, plus j'aime les poupettes, car... Moi, je vais te dire, je vais aller voir si la cafette de l'autre côté n'est pas ouverte. Je vais avec toi. Vous... Merci. Allô, Vanessa, bonjour, c'est Sonia. Comment ça va? Oui, ça va, oui. Et ton Boris, ça va? Oui, Thomas, très bien, je te remercie. Dis à propos, je voulais te demander, ton Boris, est-ce qu'il a été voir Pierre et le Loup à l'école? Ah oui, 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 ben oui, Thomas aussi, figure-toi, c'est quand même la troisième année de suite qu'ils vont voir Pierre et le Loup. Oui, mais si, écoute, je te dis, il y a tellement de versions, il faut bien que les gosses s'y collent, hein, sinon qui? Oui, dis, chez vous autres, c'était la version de qui? Jean-Luc Dehaene. Allez, tiens, personnellement, je l'aurais mieux vu dans les trois petits cochons. Oui, non, ah, c'est bon de rire. Nous, ah ben écoute, c'était la version spéciale, tu sais, c'était la version de choses, là, comment s'appelle-t-il, ce pilote automobile qui a aussi un nom de film. X, voilà, X. Oui, écoute, finalement, l'avantage, c'est que ça a été très vite, hein. Ouf, là, bien, 10 minutes, tout était fini. Et à ce qui paraît, les musiciens étaient légèrement déportés dans les virages. Oui, 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 oui. Non, écoute, mais je téléphonais parce que, évidemment, comme chaque année, Thomas doit faire un petit travail là-dessus.
Ben, sur Pierre et le loup. Et comme de bien entendu, je ne peux pas vraiment compter sur son père à ce niveau-là, ça ne s'est pas... Non, ça ne s'est pas vraiment arrangé. Enfin, bon. Soit. Alors, c'était un petit questionnaire que j'ai reçu. Est-ce que tu peux me donner un petit coup de main? Oui, écoute, regarde. Je le lis, hein. Je vais pas revenir, mais ça va. Voilà. Il parle de la symbolique de l'œuf. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah! C'est ce que les personnages représenteraient que Prokofiev... Oui, à vous le dire sans le dire. Dis, alors, il demande des choses précises. Attends, je note. Qu'est-ce que Pierre, symbolique? Pierre serait l'homme soviétique courageux. Ah oui. Et alors, le grand-père, le tsar ou Staline? Choix, au choix, oui. Le loup, qu'est-ce que c'est le loup? Ah oui, le capitalisme qui dévore tout, mais oui. Parce que, oui, le loup méchant. Je crois que je... Le canard. Ah, tiens, le bourgeois qui se cache au moment important. Ça, j'avais pas... Non, ça, j'avais pas... Et les chasseurs, les politiciens qui manifestent bruyamment, doucement, bruyamment, oui, leur incompétence. Avec, oui, Choudi. Où est-ce que toi, tu vas chercher tout ça? Je suis paf, oui. Alors, il demande aussi le chat. Le chien de Proco. Le chat serait le chien de Proco. Non, ça, j'avais pas. Et alors, dernier, l'oiseau. Quoi? Non, t'invente. Non. Oh, mais non, ça, je peux pas mettre. Non, mais non, on dit. Oh là 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 là, pouf. Tu sais, je vais te dire une chose, moi, je préfère encore quand Thomas joue avec ses Power Rangers. Là, au moins, je sais que c'est bête. Nous vous proposons maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers enfants, une petite plage récréative, néanmoins toujours culturelle, qui permettra aux personnes lentes et sensibles de digérer la masse d'informations qu'elles viennent d'emmagasiner. Voici donc Soleil de Brest, un petit ballet. Moi, j'aime bien les chiffres. Moi, j'aime bien tout ce qui est exact. Les mathématiques, les exponentielles. J'aime pas tout ce qui fait des ordres. J'aime bien de faire une musique bien propre, bien en ordre.
Le petit Proco, extrêmement doué pour la musique, n'a pas composé Pierre et le loup en un seul coup de cuillère à peau. Cuillère à peau. La composition de ce chef-d'œuvre fut pour lui l'occasion de composer d'autres pièces, tout aussi connues, mais dont on ne sait pas toujours qu'elles sont de lui. Mesdemoiselles, messieurs, chers enfants, avant de continuer le programme de cette soirée, nous sommes malheureusement obligés de l'interrompre pour laisser place à une petite pièce de théâtre contemporaine. Enfin, rassurez-vous, un extrait seulement. Il s'agit d'une nouvelle mesure édictée par le ministère de Culturel qui, pour favoriser la création contemporaine, oblige chaque spectacle à intégrer dans son programme quelques minutes d'une pièce habituellement boudée par le grand public. Voici donc la bande-annonce, en quelque sorte, de l'assoupissement de Kevin Chestokovsky. Ulrich! Ulrich! Inutile de crier, Franz, je suis là. Ulrich, je crie parce qu'au théâtre, il est bon de crier. Cela fait sursauter les spectateurs qui confondent frayeur et émotion. Et puis, il est bon que le spectateur sache très vite, Ulrich, que tu t'appelles Ulrich, Ulrich. Estimes-tu que mon rire sonne assez faux? Oui, Franz, bien, bien faux comme il faut. Et mon cri tout à l'heure quand je suis arrivé. Ton cri ? Était-il bien horripilant ? Oui, Franz, bien, bien horripilant. Mettait-il bien tout le monde mal à l'aise ? Oui, bien, bien mal à l'aise, oui. Et le mien ? Le tien ? Je ne me souviens plus très bien du tien, Ulrich. Mais je vais le refaire. Ah ! Pas mal, Ulrich. Ton cri de théâtre dans le bottin désert. Bondé. 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 Et mon petit ton absurde là, maintenant, trouves-tu qu'il soit assez décalé? Franz, Franz, Ulrich, Ulrich! Tiens, voilà Willem. Et son chien. Vous entendez les bruits de mes pas? Pas mal, hein? Et mon rire? Je vais te rire, non? Bien théâtre, là. Et mon cri? Willem, pendant que tu parlais, avais-je une attitude assez régressive? Assez dérangeante? Et la mienne, Willem? Exprime-t-elle suffisamment la folie, la face obscure, abyssale de l'homme? Et la musique? C'est irritante à votre goût. Je l'ai choisi moi-même, entre mille autres déjà. Toutes pareilles. Est-elle assez chiante à votre goût? Elle est parfaite, Willem. Je m'agenouille.
Moi aussi. C'est la musique officielle de la subversion. Sans un gramme de plaisir. Musique en crotte de souris. Musique en crotte de lapin. Oui, musique en crotte de pic. Musique en crotte de nez. De nez, oui, en crotte de nez. Musique en crotte de lascaux. Non. Helmut, bitte. Quand je pense qu'il y en a qui vont voir Pierre et le loup. Et maintenant, tout le personnel de Jatoli est heureux de vous présenter, en exclusivité, la gouvernante du Petit Proco. Nous l'avons rencontrée par hasard à Bruxelles. Proco, je l'ai très très bien connu. J'étais même sa gouvernante, sa babouchka. Un beau jour, nous avons été en autocar à Waterloo. Oh là là, on n'a pas eu l'occasion de voir le lion. Il comptait les escaliers, on ne savait rien dire avec lui. Une marche, deux marches, trois marches. Qu'à la fin, je lui ai dit, tais-toi cinq minutes, laisse-nous voir tout de même le lion. Alors il m'a dit, tu sais, babouchka, hein, moi je vais faire le Pierre et le lion. Je pense, moi, que c'est là où tout a commencé. Si ça vient, marcher le Pierre et le loup, un succès formidable. Ça a été une formidable proco-fivre. Excusez-moi mon accent, mais j'ai été tant d'années chez les communistes. 20 ans au moins. Les communistes ne rigolaient pas avec ça. Hein? Nous étions un jour là-bas, et dans un établissement. Mais on n'a pas eu l'occasion de placer un mot, parce que toutes ces jeunes filles venaient pour demander des orthographes. Pour l'une, il fallait dessiner un loup, un canard, un oiseau. On n'a pas eu cinq minutes à nous, tous ces jeunes qui viennent demander. Il était victime du tsar système. C'était bon aussi chez Willich, hein? Sympathique aussi, oui, hein? Oui, bon petite bière. Tu savais, toi, que la gouvernante des Prokofiev habitait la Belgique? Ben oui, on vient de le voir, hein, ça. C'est pour faire une petite transition, hein, Fedor? Hein? Elles ont l'air bien calmes. Je Mais propose oui. qu'on aille de l'autre côté à la cafette. Voir comment ça se passe là-bas. Et je te lis encore un petit morceau. Oui? Je vois que tu commences à comprendre le boulot. Hein? Ça, c'est une des tiennes, hein, Piotr? Je sais. C'est celle-là. Pas quelqu'un dans la salle qui serait intéressé par une adoption? Monsieur, là-bas. Avant d'arrêter le titre définitif de son conte musical « Pierre et le loup », nous savons aujourd'hui que Proco a beaucoup tâtonné. Grâce à des archives inédites, nous sommes aujourd'hui en mesure de reconstituer ses hésitations. Pierre et le renard. Pierre et le pot au lait. Pierre qui roule. Pierre rapsote. Pierre et le chat percé. Pierre et le pou. Pierre et Jean-Marc Thibault. Pierre et la petite sirène. Pierre et la lampe merveilleuse. Pierre épais. Pierre et le dragon. Rare.
Pierre et le canari. Pierre, papier, ciseaux. Pierre et la soupière. Pierre et le loup. Ça y est, j'ai trouvé, je suis le plus heureux des compositeurs russes du monde entier. Maintenant, mes petits-enfants, vous allez écouter mon œuvre Pierre et le loup. Bonjour, bonjour, des... Bonjour, bonjour, des... Bonjour, bonjour, madame et messieurs, et les petits-enfants. Oui, de... tout le toté, ma boulée, et Jean-Paul et tout le monde. La famille et tout le monde. Et... Mesdames et messieurs, nous allons vous raconter devant vous l'histoire pour les petits-enfants de Pierre et le loup. Oui, parce que ça, c'est une belle histoire de Pierre et le loup pour de bien aller dormir sur ses deux oreilles de conte pour enfants. Ouais. Mais d'abord, tu dois de bien expliquer. Oh, mais oui, hein, tu dois de bien expliquer, hein. C'est quoi que tu dois de bien expliquer? Oh, mais tu dois bien expliquer qui fait quoi dans le conte musical de Prokofiev, hein. Que ce sont les instruments qui sont les personnages de Pierre et le loup. Oh, mais oui, je comprends, hein, mais je me tue à te le dire, chacun a son instrument et les vaches seront bien gardées, hein, ouais, ouais. Ouais. D'abord, qui est-ce qui va faire Pierre, hein? Alors, je propose que je demande de faire faire un appel, de savoir si quelqu'un s'appelle Pierre dans les instruments. Ce sera plus facile que parmi messieurs les musiciens. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui s'appelle Pierre? Mais non, ça n'est pas la peine de demander. Moi, je le sais. Hein, je le sais bien qu'il faut expliquer que Pierre sera interprété par les cordes. Oh, les cordes, dit, c'est pas dangereux pour les petits-enfants, les cordes. Mais non, hein, ce sont des cordes de violon. Oh, ouais. Alors, je vais demander maintenant à madame les cordes de bien vouloir faire Pierre pour de bien comprendre que quand ce sont les cordes, c'est Pierre. Ouais. C'est très solide, hein, les cordes de Pierre. Ouais. Alors, maintenant, madame et messieurs, nous allons entendre le basson du grand-père basson de Pierre. Oh, mais oui, le basson, c'est bien pour un grand-père basson. Hein? Oh, ouais, mais ça, c'est au pied du grand-père qu'on reconnaît le basson. Hein? Ouais. C'est vraiment le bas du basson, hein, ça, ouais. Et maintenant, madame et messieurs, les petits-enfants, l'oiseau, parce qu'il y a un oiseau dans cette histoire, et qui sera interprété par la flûte. Oui, la flûte de Pan sur l'oiseau, hein! Pas la flûte de Pan, hein. C'est la flûte de gazouiller, hein! Oh, pas grave! Ben oui, hein! Ouais. D'ailleurs, ça, je l'aurais imaginé moi-même, l'oiseau, la flûte, ça... Au moins, on aurait un tout petit oiseau qui a un très long bec comme ça pour faire... Écoute la flûte! Oui! Bon, attends. Le chat. Qui est-ce qui va te faire le chat? Mystère. Hein? C'est celui que j'oublie toujours. Mais non, hein, tu dois te demander à l'assistance. Dans hein? La salle qui s'ouvrait, qui fait le chat dans les instruments? Ils sont bien ce soir. Culturel, hein? Il y a un monsieur qui a dit la clarinette. Mais oui, hein, monsieur, c'est clarinette, hein? Ouais. Bon. Oui. Le chat. Et maintenant, le haut bois de canard qui fera le canard. Quack, quack. Et maintenant, le chasseur
que ce seront les timbales qui feront le chasseur de bim bam boum. Ouais, pour te décrocher la timbale, hein. Ouais. Ouais. Et maintenant, ça va être terrible. C'est pas pour te rigoler, hein. Ça va être terrible, terrible, hein. C'est quoi qui va être terrible? Le loup. Ouh, oui, ça j'aime bien, le loup, parce que ça fout les chocottes, hein. Ouais. On va rentrer à la maison et faire pipi au lit à cause du loup qui fout les chocottes, hein. Ouais, ce sont les cuivres. Est-ce que mesdames et messieurs et les petits-enfants, on peut y aller parce que j'ai ma nénène qui m'attend à la cafette. J'aimerais bien... Oui, bon. L'histoire commence. Un beau matin, petit Pierre ouvre la porte du jardin et s'en va dans les grands prés verts. Et les grands prés verts seront interprétés par le clairon. Mais non, hein, du malon, hein, maintenant ça suffit d'intervenir tout le temps d'intempestif avec tes imbécilités, oh, hein, ouais, ton nénène, elle va pouvoir se brosser, hein. Oh, d'accord, ok, donc, hein, mon vieux, débrouille-toi, mais si tu n'expliques pas aux gens qui fait les prés verts, ils vont pas se débrouiller tout seuls, hein, les gens, il faut pas trop leur demander non plus, hein. Branche d'un arbre, il y a un petit oiseau perché, et le petit oiseau, c'est l'ami de Pierre. Oui! Tu fais l'oiseau? Chip, oh. Chip! Mais non, le texte de l'oiseau. Oh, oui! Vous êtes bien calme ici! Gazouille-t-il gaiement, c'est bien? Maintenant, c'est un canard qui arrive en se dandinant. Il est tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Et il en profite pour aller faire un petit plouf dans la mare au milieu du pré vert. Ah, tu vois que le pré vert, c'est important, hein? Si on n'en fait qu'à sa tête... Thank you.
petit oiseau aperçoit le canard et il vient se poser sur l'herbe à côté de lui. Oiseau, toi qui ne sais pas voler, dit le petit oiseau au canard. Tu sais ce que répond le canard? Non. Toi, tu es un drôle d'oiseau qui ne sait pas nager. Et plouf, il plonge dans la mare. Bien répondu, dit. Ils discutent de tout et de rien, le canard nageant dans la mer et le petit oiseau voltigeant au bord. Moi, je vois bien la scène. Soudain, quelque chose attire l'attention de Pierre dans l'herbe. Qu'est-ce que c'est? Une grenouille? Un billet de mille? Mais non, c'est un chat rampant. Le chat réfléchit. L'oiseau est occupé à discuter. Je vais l'attraper et le manger. Écoute comme il marche sur ses pattes de velours. Attention ! Crie Pierre et l'oiseau s'envole sur l'arbre. Tandis que le canard au milieu de la mare le canard fait des coin-coins indignés. Coin-coin. Je peux faire un coin-coin indigné. Coin-coin. Tu fais bien les coin-coins. Ouais, c'est à cause de ma nénène. Quoi ta nénène? Elle m'appelle mon petit canard, ma nénène. Rôde autour de l'arbre en se disant « Mais est-ce bien la peine de grimper tout là-haut et quand tu arriveras, l'oiseau se sera déjà envolé, hein, mon coco ?» Tout à coup, voilà grand-père qui apparaît. Il est furieux de voir que Pierre est allé dans le pré. Oh, il peut même pas aller jouer dans le pré, c'est bien la peine d'avoir un pépé qui habite à la campagne, hein, dis, hein, hein. Attention, hein, ça se passe en Russie, hein. À l'époque, on n'allait pas comme ça dans les prés verts, tu sais, oh. On t'enfermait dans le KGB pour un oui, pour un non. Alors il va se faire ramasser par le pépé, le petit Pierre. Oh, ben oui, hein, tu sais ce qu'il lui dit? Non. L'endroit est dangereux, Pierre. Et si maintenant un loup sortait de la forêt, hein, qu'est-ce que tu ferais? Tu fais bien le grand-père, des... Je sais. Thank you.
n'écoute pas du tout son grand-père. Hein. Tu sais ce qu'il lui dit? Que les gros garçons comme lui n'ont pas peur d'un loup qui dit... Terrible, un mouflet d'aujourd'hui de répondre comme ça, de clouer le bec à son grand-père. Alors, grand-père prend Pierre par la main, il l'emmène dans la maison et ferme la porte à clé. Cric-crac! Parce qu'il venait à peine de rentrer qu'un grand loup gris sort de la forêt. Le loup, ouais. C'est le loup. Comme l'éclair, le chat grimpe dans l'arbre. Vouf! Ben oui, vouf! C'est vif comme l'éclair, oh, qu'on dit. Vif! Pardon, excuse. Se précipite hors de la mare en caquettant. En caquettant? Bon, ben oui, un canard, ça caquette. Hein. Brrr, tu sois poli un peu pour les petits enfants de Pierre et Lalo. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus des bébés, hein. Ça connaît tout le vocabulaire de canard caquette, tu sais. Bon, allons-nous dire. Il essaye de courir, le canard. Mais le loup court plus vite. Ouh, le voilà qui s'approche. De plus en plus près. Il va le rattraper. Ouh là 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 là. Gnap, il se saisit du canard et l'avale d'un coup sec. Et voilà, fini de caqueter. Eh oui, on ne peut pas caqueter toute sa vie, hein. Bon, c'est fini. Non, c'est triste. Oh.
Récapitulons. Tu as le chat qui est tranquillement assis sur une branche. Et ça, c'est l'oiseau tranquillement assis sur une autre branche. À bonne distance du chat. Évidemment. Cool, cool. Oui. Ok pour le chat et pour l'oiseau, mais le loup. Ah, le loup, il a encore faim. Oh. Il fait le tour de l'arbre en regardant le chat et l'oiseau avec des gros yeux gourmands. Ouais, tu sais quoi, ça me donne faim aussi, parce qu'il y a ma lénaine qui fait une tarte au corinthe, prune délicieuse, tu sais, vraiment. Derrière la porte du jardin, Pierre observe tout ce qui se passe. Et il n'a pas du tout la trouille, tu sais, oh, ce petit-là. C'est un courageux, ce petit gamin. Tu sais ce qu'il fait? Non. Il va vite chercher à la maison une grosse corde. Ouais. Et il revient, et hop, il grimpe sur le mur. Ouais. Et figure-toi qu'il y a justement une des branches de l'arbre autour duquel tourne le loup qui va jusqu'à ce mur. Ça, ça tombe bien, hein? Pierre s'accroche à la branche. Il grimpe dans l'arbre. Quelle bonne idée, hein? Et alors, Pierre, qu'est-ce qu'il va dire à l'oiseau? Eh bien, il lui dit, va un petit peu voltiger autour de la gueule du loup, mais fais bien gaffe qu'il ne t'attrape pas. Oh, ce serait trop bête, hein? Regarde-moi ça, il y a l'oiseau qui touche presque la tête du loup avec ses petites ailes. Oui, le loup qui essaie de l'attraper. C'est bien fait, hein? L'oiseau a bien énervé le loup et le loup a très envie de le croquer. Mais l'oiseau est bien trop adroit, bernique pour le loup. Et c'est là que les Romains s'empoignèrent. Ouais. Pierre fait un nœud coulant dans sa corde et il la fait descendre tout doucement en cachette. Mmh.
Alors, il attrape le loup par la queue et il tire de toutes ses forces. Comme une bête. Ouais. Le loup se sent pris. Ouais. Et il se met à faire des bondes sauvages. Comme une vache enragée. Pour essayer de se libérer. Pierre attache l'autre bout de la corde à l'arbre. Et les bonds du loup ne font que resserrer le nœud coulant. Ouh, ça doit faire biche, ça. Oh, ça, d'avoir la queue prise dans un nœud coulant, mon coco. C'est alors que les chasseurs sortent de la forêt. Oui, toujours un petit peu en retard, genre gendarme wallon, hein. Les chasseurs de fusils, tu vas voir. Planquons-nous. Oui. Des chatouilles dans le dos quand il fait ça, l'en est rien. Du haut de son arbre, Pierre leur crie. Ne tirez pas! Petit oiseau et moi avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous! Je fais bien, le petit Pierre. Aidez-nous à emmener le loup au jardin zoologique. Oh, bah oui, hein, ça c'est parce que tu comprends, on ne peut pas tuer le loup. Hein. Oh. C'est mal de tuer. Hein. Brrr, alors on préfère aller au zoo. Ben oui, quand tu as une petite envie de tuer, tu vas au zoo et ça passe. Moi, j'ai déjà été au zoo avec ma ménène. Mmh? Mais je me suis perdu. Où ça? Dans le vivarium. Mmh. Et maintenant? Ouais. Imagine un petit peu la marche triomphale. D'abord, tu as Pierre qui est tout devant comme pour t'ouvrir la marche.
Et derrière Pierre, tu as les chasseurs qui traînent le loup. Et puis le loup traîné par les chasseurs, c'est ça? Oui, mais ça, c'est un peu la même chose. Derrière, comme tu dirais pour de fermer la marche, tu as grand-père et le chat. Oh, et le grand-père, il est encore un peu ronchon. Oui. Et dis-moi, et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, hein? Que serait-il arrivé? Peut-être oublié l'oiseau. Ah, mais non, il est là, l'oiseau, il voltige là-haut en gazouillant gaiement. Je peux le faire. Comme nous sommes braves, Pierre et moi. Regardez ce que nous avons attrapé. Si vous écoutez attentivement, vous entendrez le canard caqueter dans le ventre du loup. Car dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant. Oh, pauvre petit canard! Mais non, il est sauvé! Ouais! Je suis le plus heureux des compositeurs russes du monde entier.